quelque chose, je commence ma prédication. We are saying something, I'm starting my prédication. Quand Terach est mort, when Terach was dead, le chapitre 11 s'arrête. The chapter 11 is stopping. Quand Terach est mort, when Terach was dead, le chapitre 11 s'arrête. The chapter 11 is stopped. Dieu n'a pas voulu continuer l'histoire de Terach. God don't want to continue the story of Terach. Dieu a voulu arrêter. Je sais là où je vais t'amener. I know where I'm bringing you. Dieu a arrêté. It stopped. Et tu as changé de chapitre. And change the chapter. Je vais te dire quoi tu m'attends. I will say to you. Tu n'es pas ta mère pour répéter son histoire. You are not the mother. Tu n'es pas ton grand-père pour répéter son histoire. Après ce dimanche, toi et moi, il y a une nouvelle histoire qui va écrire. Un nouveau chapitre. Oh, je dis un nouveau chapitre. J'ai arrêté. Après la mort de Terach, j'ai arrêté. Je viens de prophétiser sur ta vie. 2020 est passé avec ta souffrance. 2020 est passé avec ta maladie. 2020 est passé avec ta mort. Tu vivras longtemps. Comme la même Dieu que je te parle. Dieu a décidé de changer. Dieu a décidé de changer le chapitre. Que Dieu change le chapitre de ta vie. Si tu étais célibataire, qu'on t'appelle marié. Si tu étais pauvre, qu'on t'appelle riche. Allez, permets-toi du Seigneur, change le chapitre de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu change le chapitre de ta vie. Tout le monde te néglige. Tout le monde sait que tu n'as rien. Mais bientôt le chapitre va changer. Ah, je croyais que tu étais là avec moi. Je dis le chapitre va changer. Je dis le chapitre va changer. Ah, le piéton deviendra véhiculé. Oh, le pécheur deviendra saint. Oh, la maladie se verra guérir. Je dis le. Ah, Maria Shinda, la papa. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je dis, je ne t'entends pas. Bien-aimé, ça ne peut pas continuer. Allez, fais-moi toi qui ça s'arrête ici. Cette malheur ne peut pas continuer. Cette humiliation ne peut pas continuer. Oh, ça s'arrête ici. Cette médiocrité ne peut pas continuer. Donne-moi la même pierre. Dis avec moi, Dieu a changé. Alors écoute, le Dieu d'Abraham est notre Dieu. S'il a changé le chapitre dans la vie d'Abraham, il peut changer le chapitre dans ta vie. Ah, est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Je prophétise dans ta vie. Avant la fin de 7 mois, le chapitre de ta vie est en train de tourner. Non, 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 je dis le ça. Ah, le chapitre de ta vie est en train de tourner. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Le chapitre de ta vie va changer. Dieu n'a pas voulu continuer. Il a dit ceci, Terach c'est Terach, Abraham c'est Abraham. Je ne peux pas continuer la souffrance de Terach et Abraham. Dieu a décidé d'arrêter. C'est le chapitre 11, le chapitre de ta malédiction. Dieu a décidé d'arrêter. Le chapitre de ta maladie, Dieu a décidé d'arrêter. Le chapitre de tes plaies, Dieu a décidé d'arrêter. Le chapitre de ton humiliation, Dieu a décidé d'arrêter. Pendant que tu me donnes la main, il y a moi, ils ont pas dans le nom. Je dis pendant que tu me donnes la main, le chapitre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Priez avec moi, Dieu change le chapitre de ma vie. Alléluia. Nous tous, nous savons et nous sommes conscients que Dieu a commencé avec Abraham quand Dieu a parlé. J'ai déjà parlé de ce message, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, je vais le dire aujourd'hui. Non, c'était un verset 11. Il voit le chapitre 11. Non, 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 non. Ça ne peut pas continuer. Je ne sais pas, mais je dis ça ne peut pas continuer. Les sorciers de ta famille ont trop joué. Tu n'es pas venu sur la terre pour laisser les gens. Il est temps que toi aussi tu achètes. Il est temps que toi aussi tu voyages. Il est temps aussi que toi aussi tu fêtes. Il est temps que toi aussi tu. Ah Jésus, j'ai dit ça doit changer. Ah j'ai dit ça doit changer. Ça doit changer. J'ai dit ça doit changer. Quand on parle de changement, les changements. Je ne parle pas des semblants, je parle des changements. Il y a certaines personnes qui ont dit ceci. J'ai changé. Je ne me fâche plus trop. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus.
mais les jours que tu vas les provoquer, il va te dire pour les gars qui m'ont en train de prendre. Là, rien n'est pas changé. Les changements que je parle, les gens te voient, on dit non, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Aucun nom a le pouvoir de faire ce qu'il a fait dans sa vie. Le temps est arrivé. Ta vie rendra Jésus effective. Les gens vont voir Jésus dans ta vie. Jésus, le chapitre de malédiction s'arrête. Ah, le chapitre de l'humiliation s'arrête. Le chapitre du célibat s'arrête. Le chapitre de la pauvreté s'arrête. Tu vas monter plus haut. Tu vas monter plus haut. Tu vas monter plus haut. Là où personne de ta famille a monté. Là où personne de ta famille est arrivé. C'est avec toi que Dieu va le faire. Pendant que tu me donnes la main, cette parole s'accomplisse dans ta vie. Pendant que tu me donnes la main, la malédiction s'arrête. Pendant que tu me donnes la main, les échecs s'arrêtent. Pendant que tu me donnes la main, cette chapitre change. Il a dit, vous comptez Fatima, mais vous comptez tout ça. Vous n'allez pas. Dis avec moi, le chapitre a changé. Aïe, 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 aïe. Au pili de la vie, on a fait ça, Jésus. C'est toi maintenant qui deviens le souffle de la bénédiction. Je dis, c'est toi, ce n'est pas une autre personne. Je dis, c'est toi, malgré ton âge, malgré ton âge, Dieu a choisi que toi. Ah, où est la personne que je parle? Je dis, Dieu a choisi que toi. Je dis, dans ta famille, Dieu a choisi. Écoutez, les rencontres de Jésus. Papa, je fais quantité ici parce que je n'ai personne. Je veux souligner quelque chose. Lorsque vous croyez au médecin, vous croyez au médecin. Vous croyez à votre à vos finances, pardon. Vous croyez aux sommes. Vous n'allez pas arriver là où Dieu vous attend. Mais lorsque vous croyez à Dieu, tout ce qui était impossible est devenu possible. Je dis tout ce qui était impossible est devenu possible. Peut-être que tu dis, nous n'avons pas la tête pour ça, ma fille. Je ne me marie pas parce que je ne suis pas. Peut-être que tu dis, nous avons encore monté parce que la table a été. Je n'ai pas la tête. Peut-être que tu dis, ah, je sais le qui n'a pas beau ta tête. Regarde celui qui est à ton côté. Dis, mon Dieu, n'est pas un Dieu de discours. Là où les hommes se limitent, c'est là où il commence. Mon Dieu n'est pas un Dieu de discours. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là où il commence. Tu auras des choses que personne dans ta famille, dans ta génération, a touché cela. Ah, donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Son père est mort. Son père est mort. Je dis son père est mort. Le chapitre a changé. Écoutez. Avant que son père meure, le chapitre est continué. Mais quand son père est mort, Dieu a changé le chapitre. Si je vais comprendre ça prophétiquement parlant, pour que le chapitre de notre vie change, il y a certaines personnes qui doivent partir. Tu m'as pas entendu? Il y a certaines personnes qui doivent partir. Pendant que tes rats étaient là, le chapitre a continué. Mais après sa mort, les choses ont changé. Je viens de dire à ta vie, et la couleur de ta bénédiction, yo. Allô, tu m'entends pas, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Il y a certaines personnes qui doivent partir. Bien aimé, écoute. Beaucoup vivent dans des sentiments. Beaucoup jouent avec la sorcellerie. Mais nous qui sommes dans les ministères prophétiques et de délivrance, nous connaissons de quoi je suis en train de parler. Il y a certaines personnes, tant qu'ils seront vivants, bien aimé, ta vie restera toujours là. Ta situation restera toujours la même. Je ne les connais pas. Mais s'il existe que cette personne, que le Père de Dieu ne s'éloigne pas de sa tête, au nom puissant de Jésus, je peux te dire quelque chose. Est-ce que son bien sang qui n'arrive pas dans la salle à souffrir le corps à Bololo? Électricité au katana? Est-ce que quelqu'un m'attend? Au nom de Jésus, toute personne qui bloque ton élévation, que la main de Dieu le canal.
méchants. Les sorciers n'ont pas peur. Les sorciers n'ont pas pitié. Tu n'as pas volé. Tu n'as rien fait. Ils ont bloqué ta vie. Tu n'as rien fait. Ils ont bloqué ton mariage. Tu n'as rien fait. Ils ont compliqué ta vie. Si avec moi le temps est arrivé, que tu sois mon père ou ma mère, si c'est toi, tu vas partir. Ah, tu fais. Et maintenant, lorsque ton père échoue, tu dis non, si tu ne te lèves pas, ceux qui ont détruit ton père peuvent te détruire. Si tu ne te lèves pas, ceux qui ont humilié tes parents vont t'humilier. Parce que tu veux ou pas, tu portes leur sang et tu portes leur nom. C'est les deux portes d'entrée qui permettent aux sorciers et à la malédiction de passer. Mais tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, la Bible dit, ce qui nous bloque, c'est un sorcier. Il a vu le sang de quelqu'un. Il va péter. À comment on voit ça, avion? Et il va dans l'avion. Comment ça va aller dans l'avion? Et toi et moi, you and me, qui prend le sang de Jésus? C'est une blague. La malédiction de nos parents a été détruite. Avant que les sorciers volent, ils ont besoin de tuer. Après avoir tué, et qu'ils ne volaient pas, ils ont commencé à voler. La sainte scène que nous prenons nous donne et nous équipe des capacités surnaturelles. Un homme qui était ordinaire est devenu extraordinaire. J'aime tuer la mort de tes races. A changé le chapitre. D'abord. Toi qui dis, oh, ils verront. Oh, ils vont voir. Pourquoi sont pas amour? Pourquoi ils doivent voir? Certaines personnes ne doivent pas voir. Sont plus forts que nous être ici. Ils doivent partir. They have to go. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me dit, est-ce que c'est la Bible ça? Pour que les enfants d'Israël puissent sortir, traverser la mer rouge. Dieu a dit, j'accepte que l'armée du Pharaon puisse mourir. Il y a d'autres qui vont partir. Il y a d'autres qui vont. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te livre ta vie. Je peux parler? Je peux parler? Dans ce chapitre que c'est arrêté, nous rentrons maintenant dans le chapitre 12. Et avec moi, les choses commencent ici. Chapitre 12. Dieu appelle Abraham. Abraham. Sort. Leave. Aïe 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 aïe. Abraham sort. Abraham leave. Je voudrais dire à certaines personnes. I would like to say to many people. Vous qui avez la joie de rester dans des familles, dans des maisons familiales. If you have the joy to stay in the house of the family. Il y a certaines choses qui changent dans ta vie quand tu sors. There's something that can change your life when you are leaving this place. Quelqu'un m'entend? Quand c'est pas le père est mort, when the father died, Dieu a parlé. God has spoken. Dieu ne parlait pas. God was not speaking. Mais quand c'est pas tes rachets morts, Dieu a parlé. Je voudrais dire à quelqu'un, les hommes ont parlé dans sa vie, les hommes ont critiqué, les hommes ont mis des points, mais avec ce quelqu'un, je le savais bien, j'ai été mort de la terre, le vivant, et il se levera, le dernier, laisse ton médecin te dire que tu es maladif, laisse ta famille te dire que tu es pour rien, laisse les gens te voir sans valeur, laisse les gens te parler, aujourd'hui Dieu a décidé. D'après que celui qui est à ton côté dit Dieu va parler. D'après celui qui est à ton côté, Dieu va parler. D'après celui qui est à ton côté dit Dieu va parler. Écoutez-moi bien aimé. Quand Dieu n'a pas encore parlé, Lazare reste toujours dans le tombe. Aïe 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 aïe. Quand Dieu n'a pas encore parlé, Bartimée reste aveugle. Quand Dieu n'a pas encore parlé, Marie reste sans grossesse. Quand Dieu n'a pas. Aïe aïe aïe, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand Dieu n'a pas encore parlé, Bartimée est aveugle. Quand Dieu n'a pas encore parlé, lève les ténèbres sur la terre. Mais quand Dieu a parlé, il a dit Lazare, sors. Lazare qui était enterré, Lazare est sorti. Je ramène la foi de Dieu dans ta vie. Sors dans cette malédiction.
papier. You want to non, je vais dire Dieu. Viens mon fils. Come, my son. Venez vous là. Vous êtes aussi en veste rouge. Veste noire, des rouges à côté. Viens avec moi, Dieu va parler. Viens avec moi, Dieu va parler. Donne-moi le micro, s'il vous plaît. Donc, je vais t'expliquer quelque chose tout de suite. Vous devenez tellement sérieux quand vous êtes devant. Donnez-le, prenez, frère. Viens avec moi, Dieu va parler. Bien-aimés, les hommes peuvent parler dans la vie réelle. Mais tout ce que les hommes disent, ce sont des souhaits. À coups, à coups, à coups, à coups, à et si ma commande, dis avec moi, ce n'est que des souhaits. Quelqu'un m'entend? Regarde. Donnez d'abord. Quand il est venu dans mon bureau, papa, je crois à ton Dieu. Dis un mot. Et ma vie va changer. Je l'ai dit, tu crois, il dit, je crois. J'ai dit, les gens vont parler dans ta vie. Mais maintenant, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je sais tout le monde, je veux prier pour la sécurité. Tu es là, non? Je parlais de la part de Dieu. Quand tu es venu, ça fait combien de mois tu es ici? Tu es là avec toi. Ça fait combien de mois? Depuis le 14 décembre. Décembre, ça fait combien de mois? En 2016, décembre. Hein? 3 mois. Tu as fait combien de papiers quand tu étais venu? Combien de papiers? Non. Tu avais 100 papiers. Pourquoi tu es où? Alléluia. Il avait combien? 100. You have a lot of papers. Quand je priais, when I was praying for him, aujourd'hui tu as quoi? Today, what you have? 10 ans. 10 years for a document. Alléluia. Viens avec moi, Dieu va parler. Viens avec moi, Dieu va parler. Je prophétise dans ta vie ce qui était impossible, que cela devient possible. Au nom de Jésus, quand Dieu parle, les choses changent. Et Dieu ne le voit pas. Il utilise ses serviteurs. Je te promets et je te confirme, je suis son représentant pour la passion. Reçois la parole de ton élévation. Reçois la parole de ton mariage. Reçois la parole de ta guérison. Reçois la parole de ta restauration. Aïe. Et c'est que Dieu m'attend. Quand Dieu n'a pas encore parlé, les choses sont difficiles. Quand Dieu n'a pas encore parlé, les choses sont compliquées. Mais lorsque Dieu parle, la voix des hommes se baisse. Je ne sais pas quelle forme parler cette partie. Mais je prophétise en ma qualité de prophète. C'est fini la malédiction. C'est fini la honte. Tu vivras longtemps. Et aussi Baba Coco, qui ne mourra pas. C'est que tu manquais que Dieu te réforme. Et c'est que tu manquais que mon Dieu te donne. Si tu crois de moi, il en est bien. Quand Dieu n'a pas encore parlé, il y a les ténèbres. Mais lorsque Dieu se présente, il dit que la lumière soit, que la lumière vit. Bien-aimé, je viens te dire, tu as besoin d'une parole. Une parole suffit, Pasteur. Une parole suffit pour mettre fin à ta souffrance, pour mettre fin à ta maladie, pour mettre fin à tout ce qui dérange ton âme. Et voici la parole en question. Recevez cela au nom de Jésus. Tu sors ici avec ce que tu étais venu chercher. Je ne sais pas si c'est les enfants. Je ne sais pas si c'est la guérison. Je ne sais pas si c'est les finances. Je ne sais pas si c'est le mariage. Mais tu sors ici. Est-ce que tout ça, lorsque le Père est mort. All this when the ne jouez pas avec les gens qui vous combattent. Don't play with people fighting you. Leur disparition peut amener ta délivrance. When they disappear, the demons could pay. Est-ce que je parle à la tête? Est-ce que je parle à la tête?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a parlé. Celui qui bégayait. The one who don't know how to speak. Quel est ton nom? Moïse. Quand Dieu a parlé, celui qui avait peur, the one was a eu la force. Had the strength. Non. Que Dieu parle. Que la souffrance s'arrête. Que Dieu parle. Que l'humiliation s'arrête. Que Dieu parle. Que la pauvreté s'arrête. Que Dieu parle. Que les difficultés s'arrêtent. Est-ce que je peux avancer? Je dis à Abraham. Prends ton argent. Take your money. Prends tes biens. Take your goods. Mais Dieu dit à Abraham, sors. Parce qu'il dit. Pastor. Abraham avait 36 ans, c'est bon. Abraham was 30. Pardon, 64. 64. Un vieux comme papa. A whole man just like. Il habitait, je ne sais pas. Living in the home of his parents. On comprend directement ce qui s'est passé dans cette famille. We have understood what was happening in this family. Si tu veux vivre dans la main de Dieu, if you want to leave the tu dois quitter certains endroits. Tu dois quitter certaines relations. Tu dois quitter certaines personnes. Écoute-moi très bien. Dis-moi bien. Dieu dit à Abraham. Sors-toi, Abraham. Leave Abraham. Regarde Abraham. Look at Abraham. Tellement il est amour. How is love? Tellement il aime Dieu. Just like he loved God. Il sort avec qui? L'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? What was happening in the way? La guerre a commencé. The war has been started. Je voudrais parler avec qui? I would like to speak to you. Bien-aimé. Beloved. Nous devons quitter. We need to leave. Il y a certaines séparations qui font mal au cœur. There's some separation. Mais qui ouvre le porte de destin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je parle à quelqu'un. Je te parle avec l'expérience. Certaines personnes peuvent être une bénédiction pour toi. Certaines personnes peuvent être une malédiction pour toi. Avant d'accepter que quelqu'un rentre dans votre carré, il faut prier et demander à Dieu. Est-ce que il lui c'est nous ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le diable ne viendra pas devant toi avec le visage du diable. Will not come in front of you with the face of the devil. Parce que tu auras peur. Because il va porter le visage des saints. He will have the face of a holy one. Donc comment les connards? Oh, tu devrais mon frère ou ma sœur. Dieu dit à mal. That's it, Abraham. Ton problème c'est l'environnement. Your problem is your environment. Ton problème c'est la famille. Abraham, tu dois quitter. Qu'est-ce que Dieu dit à prendre de quitter? Bien aimé. Below. Si tu n'as pas encore quitté. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu as quitté. It's not because you're married that you are. C'est la délivrance qui peut te faire quitter. It's the deliverance that can help you to leave. Et maintenant, tous ces liens qui viennent dans votre famille. Ça doit être brisé et tu sors. Bien aimé, quelqu'un m'entend. Combien de femmes? How many women? Vivent avec des hommes. Living with men. Dans la maison. In the same house. Mais il a épousé Shadrach. Il voit une autre personne à la maison. But Mary chat like but see another person. Là, il vous fait gloire. Mary gloire. Mais il voit le grand-père de gloire à la maison. But seeing the. Donc ils sont assis à car vous êtes en la bichoté et vous quittez. Et c'est bien maintenant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera. That's what God said to men. Mais quitter qu'on parle ici. But to leave. C'est tous les liens. It's all the time. Malédiction. Loi établie. The law. Hôtel. Sorcellerie. Et nos familles. Dieu dit tu dois quitter. Je prie au nom de Jésus. Que tu quittes toutes ces choses de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que tu quittes. L'intervention de Dieu ne peut pas venir. Si tu n'as pas encore quitté. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Si tu n'as pas encore. Imagine, j'ai mis parmi les gens qui sont dans la maison. On a son moment à
dit, oh, quitte. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Beaucoup de personnes disent que vous devez quitter. Les amis, c'est toxique, vous devez quitter. Les liens, oui. Ah, si je vais avancer. Les hypocrites, vous devez quitter. Bien aimé, vous devez quitter. Ta vie est précieuse. Arrêtez les sentiments dans la vie. Je dis, ta vie est précieuse. Faites attention. Tu n'as pas de brillant. Si aujourd'hui tu pars, c'est fini. Si aujourd'hui tu pars, tout s'arrête. Je lève ma main et je déclare que tu chasses à vos côtés toutes personnes que le diable a placées à côté de vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu m'a quitté. Yes. Tu quitté. Yes. Qui est prêt à quitter? Pour Jésus. Qui est prêt à quitter? Pour Jésus. Qui est prêt? Pour Jésus. Je dis, je rendrai ton nom grand. Pour que tu grand. Avant que ton nom devienne grand, tu dois quitter. You need to leave. Pourquoi donc la passe? Pour quitter certaines personnes. Pourquoi vous ressentez de la peine à quitter certaines personnes? 9 mois dans mon maman nous a dit. 9 mois dans le corps de ta mère, mais tu étais toute seule. Il y a des situations irréparables. There's some situation to not be. T'es bien maintenant? Amen. Eva. Attention. La méchanceté. La sorcellerie, l'hypocrisie peut amener quelqu'un là où tu ne peux pas imaginer. The link to hypocrisy and the witchcraft can bring someone what you cannot and never imagine. Si on t'envoie et qu'on jette une maladie, on peut prier pour toi, tu seras guéri. Si on t'a empoisonné au microphone, c'est compliqué. Mais si on t'a empoisonné et que tous tes organes soient compliqués, fais ton life to rest. Dis avec moi, je vais quitter. Avec lui. Dis, je vais quitter. Avec lui. Vous devez quitter certaines maisons. You need to leave some places. Vous devez quitter certaines relations. You need to leave some relationships. Vous devez quitter certains endroits. You need to leave some places. Tant que tu restes là, while you're staying there, ton élévation est bloquée. Your elevation is blocked. Abraham, oui, ce sont tes parents. Abraham, yes, it's your parents. Quitter. Leave. Quelqu'un m'attend? Oui. Suis-moi, je vous apporte vers la fin. Follow me. Il dit quitter. Leave. Il dit. C'est quitter. Avant que je te lève, tu dois quitter. Before I lift you up, you have to leave. Tu dois quitter. You have to leave. Cette mauvaise habitude, tu dois quitter. This bad habit, you have to leave. Cette vie de péché, tu dois quitter. This life of sin, you have to leave. Cette vie de doute. This life of doubt, you have to live it. Abraham a eu des problèmes dans sa destinée parce qu'il ne voulait pas prendre les Dieux. Il y a la guerre entre Lot. There's a war between Lot. Et ce soldat. And après, il vient lui dire non, faut que je puisse l'attraper. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. I will be going to the right. Et le message Abraham c'est l'attraper, toi aussi tu peux le faire. We could do it. Même en retard, le nécessaire the necessary is to leave. Jusqu'à quand? Until when? Tu vas rester toujours. You'll be staying always. Tu n'es pas au Congo. You are not in the Congo. Mais votre marché préféré c'est Château Rouge. But your preferred market is Château Rouge. Les amis congolais. Your friends are Congolese. Vous mangez congolais. You are eating Congolese. Tu vas congoliser même tes finances. You are congolizing your finances. Il y a un moment il faut quitter. At the time you have to leave. Il faut quitter. You have to leave. Ça fait pas mal de regarder du monde. Il faut intégrer. You have to be integrated. Intégrer. Il faut quitter. You have to leave. Cette vie de paresse. This life of laziness. Pour que Dieu parle. For God to speak. Il faut que tu quittes. You have to leave. Cette vie de doute et de la méchanceté. This life of doubt and to be mean. Il faut que tu t'aimes. You have to leave. Bien aimé, s'il y a quelque chose que je dis. Beloved, there's something that I'm saying. Je mets ma femme témoin. I put my wife as a witness. Je ferai jamais du mal à celui que j'ai déjà fait du bien. I will never do bad thing to someone I already did a good. Tu m'entends?
Et je ne ferai jamais du mal. And I will do bad. À celui qui m'a fait du mal. To the one who did me good. Pourquoi? Why? Aucun homme sur la terre peut maudire ce que Dieu a dit. No man on earth can curse what God already planned. C'est une perte de temps. Is a waste of time. Est-ce que tu peux quitter? Can you leave? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Est-ce que tu es béni? Are you blessed? Je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. I will not have the time to go to the end. Je suis obligé d'arrêter ici. I have to stop here. En disant, what saying? Dieu a béni Abraham. God bless Abraham. Parce que Abraham a décidé de quitter. Because Abraham decided to leave. Lève juste ta main. Just raise your hands. Fais cette prière avec moi. Do this with me. Éternel Dieu. Lord. Donne-moi la force. Give me the strength. De quitter. To leave. Toutes choses qui ne glorifient pas toi. All the things that glorify your name. Délivre-moi, Seigneur. Deliver me, Lord. Œuvre de la sorcellerie dans ma famille. All work of the witchcraft in my family. Délivre-moi de tous les dangers. Deliver me of all the danger. Je vais quitter, Seigneur. I want to leave, Lord. Pour entendre ta voix. To hear your voice. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur.